Exercices simples qui vous feront un ventre plat plus rapidement que les crunchs au sol. Il vous ennuie ce ventre disgracieux tout boudiné et vous donneriez tout pour vous en débarrasser? Comme nous vous comprenons parfaitement. Et nous avons la solution qui vous conviendra, car dans cet article se trouvent 4 exercices qui cibleront la graisse de votre ventre et vous feront perdre ces kilos stockés aussi rapidement que vous les avez pris. Vous êtes sans doute allé sous un élan de motivation en salle de gym pour faire fondre la graisse de votre ventre mais cela n'a pas marché. Si c'est le cas, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Certainement que vos exercices n'étaient pas adaptés à l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que la graisse abdominale est la graisse la plus difficile à faire fondre chez une femme. C'est pourquoi, il faut des exercices adaptés qui la cibleront de manière efficace. Nous vous proposons 4 exercices faisables en moins de 10 minutes pour faire fondre la graisse et tonifier vos muscles abdominaux et retrouver un ventre plat en un temps record et sans devoir faire d'autres exercices supplémentaires. Commencez par vous allonger sur un tapis, dos et pieds bien plaqués au sol, genoux pliés vers le haut. Écartez vos jambes à la même largeur que vos hanches. Serrez bien les muscles de votre ventre et mettez vos mains derrière votre tête. Prenez une profonde inspiration puis soulevez à l'aide des muscles de votre ventre toute la partie supérieure de votre corps, comprenant la tête et les épaules. Ensuite revenez à la position initiale en expirant. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous sentiez des brûlures au niveau de vos muscles abdominaux. Veillez à ce que ce soit votre ventre qui soulève et non vos mains. Faites 3 séries de 15 répétitions. Cet exercice travaillera essentiellement le bas et le centre du ventre. Le deuxième exercice a le même concept que le premier. Mettez-vous dans la même position que le premier exercice. Mettez vos mains derrière la tête. Puis soulevez votre partie supérieure mais cette fois-ci en faisant en sorte que votre coude gauche touche votre jambe droite puis revenez à la position initiale. Enchaînez ensuite avec votre coude droit et votre jambe gauche. Et reprenez ensuite avec l'autre. Cet exercice permet de travailler les muscles des côtés. Faites 3 séries de 15 répétitions. Cet exercice est une continuité de l'exercice 2. Tout en gardant la position allongée, cette fois-ci soulevez vos pieds du sol de sorte à créer un angle de 90 degrés. Puis soulevez la tête en vous aidant de vos muscles abdominaux pour toucher la jambe droite avec votre coude gauche et vice-versa. La difficulté de cet exercice consiste à travailler le ventre tout en soulevant le poids des deux jambes en même temps. Faites 3 séries de 15 répétitions. Cet exercice est un peu plus compliqué que les autres car il permet de travailler la totalité de vos muscles abdominaux. Vous devez rester allongé, dos plaqué au sol. Soulevez les jambes pour former un angle de 90 degrés. Prenez une profonde inspiration et levez votre tête sans vous aider de vos bras. Ces derniers doivent être tendus vers l'avant, vers les jambes. Ensuite commencez à faire des mouvements de va-et-vient avec vos jambes en tendant l'une et en ramenant l'autre vers vous et vice-versa, un peu comme pour pédaler dans l'air. Cet exercice teste votre endurance, donc vous pouvez le faire autant que vous le pouvez. Plus vous résistez, plus vous brûlerez de graisse du ventre. Après quelques jours d'entraînement, vous remarquerez une fonte spectaculaire de votre graisse abdominale et vous pourrez enfin pavaner fièrement et sans complexe en bikini sur les plages.